Sous le préau de sa résidence de Daoukro, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, reçoit les militants et militantes du parti. Il avait à ses côtés son épouse Henriette Bédié. Le président du PDCI a commencé son intervention par rassurer les militants sur la vision du parti. Le PDCI-RDA, en 2023, reste fidèle à sa vision, celle de tout mettre en œuvre pour reconstruire par le dialogue et la paix des fondements d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Se prononçant sur les défections au sein du parti, Henri Konan Bédié a indiqué que ce départ ne saurait ébranler sa formation politique. Les défections auxquelles nous assistons ces derniers temps ne sauraient nous ébranler. À la croisée des chemins, chacun choisit la voie qui répond le mieux à sa personnalité et à son degré de conviction. Henri Konan Bédié a souligné que pour les élections locales à venir, le choix des candidats du parti se fera selon des règles préétablies et il a surtout insisté que le PDCI-RDA étant un parti national, il est important qu'il y ait des candidats dans toutes les circonscriptions afin d'obtenir un maximum de suffrages. Quant aux interrogations des militants sur d'éventuelles alliances, il les a ramenés à son discours du dernier bureau politique. Le PDCI-RDA est un parti fort, un parti incontournable dans l'environnement politique de notre pays. Alliance, tout rapprochement, si alliance et rapprochement il y a, ne pourra se faire que dans le terrain de notre parti et de celui de la Côte d'Ivoire. Les différents intervenants ont assuré au président du PDCI-RDA que les militants et militantes du parti se tiennent à sa disposition et sont prêts à suivre ses ordres.